Je suis Maryse Robal, au château Vieux-Robin. Je suis la cinquième génération d'une lignée dont les femmes ont succédé ces dernières années. Je suis née à Château Vieux-Robin et j'ai fait après des études classiques. J'ai participé à de nombreuses séances de dégustation, ce qui m'a permis d'être plus performante pour déguster les vins, puisque au début, les femmes, dans la génération de mes parents, de mes grands-parents, les femmes étaient interdites de mettre les pieds dans les chais. Donc le monde a beaucoup, beaucoup changé. Ouf. Nous sommes impliqués au niveau de l'œnotourisme depuis de nombreuses années. Nous accueillons les visiteurs tout au long de la semaine et également les groupes. Nous faisons partie également du réseau Bienvenue à la ferme et pour cette année, nous mettons en place des paniers pique-niques. Ça va être prévu pour les mois à partir du mois de juillet et du mois d'août et pour que les personnes soient ravies de déguster un verre de Château Vieux-Robin et puis d'agrémenter avec les produits naturels et de Bienvenue à la ferme. Nous faisons également partie de tourisme et du réseau Tourisme et Handicap avec une labellisation pour les personnes malentendantes. Les femmes ont beaucoup évolué dans le secteur vitivinicole. Maintenant, elles sont beaucoup plus libres. Après avoir fait des études de sommellerie, de maître de chais, de chef de culture, elles sont omniprésentes. Et puis elles sont, je pense, elles sont très très bien acceptées par nos homologues masculins, puisque maintenant il s'agit de la parité dans le monde entier. Les femmes, je pense que messieurs, vous devez composer avec elles et dans la bonne humeur et le professionnalisme, c'est intéressant. Dans le temps, elles étaient présentes dans les champagnes. Il ne faut pas oublier les veuves célèbres. Tout vient en son temps. Et aujourd'hui, la femme, elle se retrouve sommelière. Elle est également chef de culture. Elle est maître de chais. Elle est omniprésente auprès de la communication, auprès du commerce. C'est très important de communiquer, de donner cette image des bovins de Bordeaux et la femme est adaptée pour présenter nos bovins, procurer du plaisir et communiquer cette belle image de nos vins.